niggas don't need no, no, no. I swear them niggas don't need no, no. Yeah, I be up on the way, and them niggas acting like they really with it. They ain't easy to tame. Overthinking, caught up in my feelings, fearing that they going astray. I done seen a difference when you take a distance, you be finding your way. I be up on the way, up on the way. Salam, salam, outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien. Là où vous êtes, franchement, vous avez écouté le son en intro? Non, honnêtement, le son, il est chaud. Et là, j'ai dit, cette saison, je suis de retour avec un nouveau bail. Franchement, en fait, les anciens bails. Pour les vrais outsiders, ils savent c'est qui ça? Les vrais. Non, on dit bien les vrais outsiders. Les anciens, ceux qui sont là depuis le début, ils savent c'est qui ce mec-là. Ce mec-là, c'est qui? Franchement, c'est mon gars, JB, en toute honnêteté. Voilà, JB, vas-y. Présente-toi. Non, je suis JB. Déjà, comme il a dit, si t'es vrai outsider, si tu te rappelles de moi. J'étais un peu plus gros et tout, mais ça va, j'ai toujours ma passion, j'adore le foot. Et comme je dis, dans une autre vie, j'aurais été commentateur ou quelque chose. Parce que... Il a dit dans une autre vie, il aurait été commentateur. Tu vois, les gars là, tu les invites, un épisode d'Outsider, ils veulent déjà prendre ta place. Je vous dis, va, ils sont dangereux. Moi, c'est pour cela que j'aime pas inviter les gens. Et moi, franchement, je sais pas, j'ai peur pour le Real quoi, cette saison. Franchement, j'ai peur pour le Real. En Liga, oui, mais en Liga, champion. Non, en Ligue des Champions, c'est un autre ballgame. Ouais, parce que dès que tu sors du premier tour, après, c'est une affaire d'homme. Ouais, ouais, franchement, après, c'est sur le terrain, c'est du 11 contre 11, c'est des allers-retours, tout est possible. Si Origi l'a fait, tout le monde peut le faire. Ouais, donc, franchement, à un moment donné. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de bloquer le progrès de beaucoup de joueurs aussi. Genre, Vinicius, là. Les Kubo? Ouais, non, non, mais je veux dire, un Vinicius, ok, Hazard, super joueur and everything, but. Un Vinicius, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir dans deux ans? L'autre Brésilien qu'ils ont signé là, Roberto, non, comment ça s'appelle? Rodrigo, voilà. Bête de joueur aussi, on dirait, un très bon joueur, ce que j'ai vu, mais... J'aimerais apporter un point vite fait par rapport à Vinicius. Tite a dit en conférence de presse là, parce que le Brésil est... voilà. Il a dit Vinicius a été formaté, il a bien dit, a été formaté pour jouer à la izquierda. C'est quoi izquierda? C'est la gauche. À un moment donné, Zidane, il force à jouer Vinicius à droite. Ouais. La dernière fois, Vinicius l'a dit en conférence de presse, il est sorti en zone mixte, il a dit, voilà, moi je suis fait pour jouer à gauche. Ouais. Il a dit, j'apprends à jouer à droite, c'est difficile. Maintenant, Zidane veut nous forcer son fils là, Vasquez. Je sais pas c'est quoi son problème. Non, je te dis, non, mais Zidane. En fait, Zidane est fatigant. Et du coup, moi, avec tous ces facteurs-là, j'ai envie de dire aux fans de Real. Des joueurs comme Isco qui sont juste comme ça, qui sont des bêtes de jeu. Moi, le foot, en fait, maintenant, quelquefois, ça me décourage. Non, ouais, ça me décourage dans le sens où je vois des bêtes de joueurs qu'on oublie. En fait, en 6 mois, en 3 mois, on fait comme s'ils n'ont rien fait. Quoi. Isco, man, il a pratiquement ramené en Ligue des Champions pour eux. Genre, Gareth Bale, the same thing. People be talking. Oui, mais ça, c'est la mentalité du Real Madrid. Combien de fois ici? Surtout ça. Surtout ça. Il est où Casillas? Surtout ça. Il est où Raoul? Yeah, surtout ça. Non, franchement, je dis, c'est des champions du monde de faire ça. Ouais. Et ils s'en foutent de tout. C'est les Madrilènes. Les Courtois qui viennent ici à la place de Keylor, alors que Keylor a tout prouvé. Alors que Courtois est. Là, tu vois, le Yopogon, lui, il est trop nul. C'est incroyable. Même Oumi le chat est. Il comprend rien, il peut pas. Non, je t'ai dit, Courtois. Anyway. Voilà. Donc maintenant, défensivement parlant, bon écoute, au Barça, ça oh va. Oh mon dieu, les gars, non. On peut parler un peu de l'anglais, s'il vous plaît. On peut parler de fucking Bayalsa, de l'anglais, un peu, genre. Il a dit l'anglais, non, c'est Bayalsa. Non, mais je suis désolé, mec. Si, je suis désolé. Je suis désolé, mais l'anglais, ça va, quoi. Les gars, on parle de l'anglais. Il a rien fait, il a rien prouvé. Oui, mais c'est parce que. Oui, mais si tu as. Attends, moi, pour une fois, Anna, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, l'anglais, c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Mais l'anglais, il fait le taf. L'anglais, il est chaud. L'anglais, il est pas mal au Barça. Franchement, toute honnêteté. Quand t'as un boy qui s'appelle Gérard Piqué, qui est comme un mec Piqué, il est comme à l'image de sa femme. C'est comme un artiste. Il est constamment en tournée. De temps en temps, il est là. De temps en temps, il n'est pas là. Donc Piqué, quand il joue un match sur 3 et que tu as un boy à côté qui s'appelle l'anglais, qui est quand même serein et qui fait lui des matchs corrects à chaque fois, je suis désolé, ça lui donne le statut de bon défenseur. Mais l'anglais, un autre défenseur. Je suis désolé, mais l'anglais, ce qui se passe à Anfield. Ça, en défenseur de The Way, en défenseur ça, de Barça, en Puyol, et là, ça se passe pas comme ça, man. Ça se passe pas comme ça. Ce qui s'est passé à Anfield, il n'a pas assez de caractère pour moi. C'est pas en Varane, c'est pas en Ramos, c'est pas en Godin, c'est pas en Chiellini. Il a pas cette personnalité. Il fait pas peur, quoi. Je veux dire, il fait mais pas peur. Mais tu n'es pas obligé d'être un Godin, un Chiellini, des Ramos et tout. Il y en a pas un million. Mais en Barça, normalement, pour moi, quelqu'un qu'on considère un titulaire indiscutable. C'est discutable. L'anglais, c'est très discutable même. Pour moi, l'anglais. Bon joueur, très bon joueur.
Mais tu as même en train de casser la démarche sur le banc depuis, depuis son retour de la Coupe du Monde, mec. Le gars est blessé constamment. Et Titi. Ouais. Donc je dis, en fait, aujourd'hui, l'anglais, c'est la seule solution viable. Tu vas pas faire jouer Todibo. Donc c'est mort. Franchement, je suis désolé, mec. Est-ce que tu crois qu'ils sont meilleurs que l'année dernière? Le Barça, non. C'est ça le truc. Non, ils sont pas meilleurs que l'année dernière. Ils sont pas meilleurs que l'année dernière parce que le problème, c'est que l'année dernière, déjà, ils avaient une bête d'équipe. Et offensivement, par rapport à offensivement, ils ont plus d'options. Offensivement, ils ont une option supplémentaire. Mais le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir tous les. Mec, je te dis, tu peux. Le Barça, en fait, c'est une Formule 1 qui doit rouler à 400 km à l'heure. Et tu as un conducteur mec, en fait, j'avais même envie de coca. J'avais envie de dire karting, mais karting, c'est gentil. Auto-tamponneuse. Allah. Les auto-tamponneuses des parcs de distraction, là. C'est ça, en fait, Valverde. Aujourd'hui, Valverde, il n'est pas fort. Franchement, Valverde, il n'est pas fort. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, on peut être d'accord sur un point que Valverde n'est pas fort. Ok, ça, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Maintenant, footballistiquement parlant, cette équipe-là, quand même, elle a un joueur qui est extraordinaire, c'est Lionel Messi. Et quand il revient au top de sa forme, franchement, le mec, à lui tout seul, il peut porter l'équipe. Maintenant, il faudrait que l'équipe derrière, les gars, ils step up. Maintenant, plus il y a de mentalité, plus il y a de fort caractère dans une équipe, plus cette équipe-là va être capable d'éviter ce qui s'est passé à Anfield. Ouais, tu vois, ouais. Pour moi, ils peuvent le faire. Ils peuvent éviter ce qui s'est passé à Anfield une deuxième fois, tu vois. Ouais. Parce que t'aurais eu sur le terrain un Grisou, t'aurais eu sur le terrain un Boy de Young, des trucs comme ça, je te dis, Trent n'aurait jamais fait ça encore. Mais tant que pour moi, tant que, wallah, je sais que vous allez m'attaquer, mais tant qu'il y a un anglais derrière, je suis désolé, frère. Si je suis adversaire, je me dis que appuyez sur lui, vous allez avoir quelque chose. C'est tout. Moi, je me dis, Origi, là, appuyez sur lui, ils ont eu quelque chose. Mais après, on va voir. Je dis, Mohamed Salah, en toute honnêteté, franchement, il ne fait pas la passe. Non, il ne fait pas la passe. Non, Mohamed Salah, en fait, lui-même, il refuse de faire la passe. Salah, lui-même, il a juré, il ne fait pas la passe. Donc, du coup, moi, je me pose une certaine question et je me dis, est-ce que la cohabitation est encore possible, quoi, aujourd'hui, sincèrement? Est-ce que ça va réussir à durer? Tu vois, Mané, c'est un boy, on le connaît. C'est un boy du village. Mais calme. Du village, quoi. Il n'a pas de problème. Calme. Il n'est pas avec son père, il n'est pas avec son imam. Machallah. Mais Mané n'a pas de problème. Il n'y a pas plus poli, honnêtement, que Mané. Donc, voilà. Vraiment. Rien quoi. Non. C'est pourquoi tous les Sénégalais, ils ont quelque chose de mal en fait, parce qu'ils se disent que vraiment c'est. Si c'est un Keita, un Benga, whatever, mais Sadio, c'est tellement un gars calme que genre. Ça se voit que c'est quelque chose qui. Ça fait des années qu'il a gardé ça, tu vois. Il en a marre, il a pété un câble là-bas, mais je te dis, il a pété un câble sur le banc. Et honnêtement, il est plus. Je sais que c'est fou de dire ça après quoi, 75 bouts et tout, mais il est plus important pour Liverpool que ça là. Sadio est bien plus important pour Liverpool, à mon avis. Que ça, il est pas remplaçable, il est pas remplaçable. Après, c'est un club, peut-être qu'en fait le truc aussi, c'est que c'est peut-être que c'est parfait que Sadio est pas trop égoïste et que Salah est un peu égoïste, qu'ils ont Firmino au milieu qui est littéralement mon fucking prophète, genre. C'est c'est un prophète, le gars il est magnifique. Qui n'aimerait pas jouer avec un joueur? Non, j'avoue que Firmino, lui en fait, c'est la paix. Firmino, lui, c'est les Nations Unies, lui il est là pour régler tous les buts, il y a pas de problème, lui il est là, il est comme ça. Je te jure. Non, c'est vrai. Et peut-être que c'est un bon balance parce qu'en même temps Sadio, tu vois, s'il était avec un autre joueur genre un Shaqiri ou quelque chose, un joueur de ce genre ou qui n'est pas aussi égoïste que ça là, peut-être que Liverpool ils auraient pas gagné tous ces matchs et tout ça, c'est. Peut-être que c'est un bon balance, je sais pas. En tout cas, je sais que c'est un cas que ce club devrait absolument gérer. Et c'est pas quelque chose qui peut mettre. Ben parce que là, en ce moment, il est venu et nous a dit ouais, il n'y a rien qui se passe et tout. Bon, maintenant, moi, je me pose certaines questions parce que je me dis à un moment donné, ça va se revoir. Maintenant, on va continuer de voir l'évolution de la situation entre Salah et Mané. On espère que, ouais, comme tu as dit, c'est deux icônes africains. C'est magnifique de voir deux joueurs africains au top, vraiment, the peak of their career and their prime playing together dans une des meilleures équipes au monde et tout. C'est beau de voir, on veut regarder ça pendant des années. Ouais, donc espérons que ça reste le même. En parlant de faire la passe, on va parler d'une équipe où il y a beaucoup de passes là-bas et tout se passe bien, tranquillement, posé, c'est Manchester City. Donc, franchement, je dis Pep Guardiola, personne n'en parle, mais voilà un mec qui a fait un mercato de malade. Il a récupéré Kevin De Bruyne, première recrue. Il a récupéré, comment il s'appelle l'autre là? Dommage que le Roi Sané se soit blessé quand même au début de saison. Mais même mis à part ça, il a récupéré Riyad Mahrez qui est de retour. Ouais. Parce que quand il a acheté Riyad Mahrez, était un top player. Riyad Mahrez a été meilleur joueur de la première ligue. C'est pas petit, franchement. Mais je veux dire, il sortait pas de sa meilleure saison. Mais avec Leicester, il a été énorme. L'année du titre.
Il est trop chaud, non, wesh. Non, non, il part pas à l'année du titre. C'est l'année du titre. Non, je sais, il part après, mais l'année du titre, il est meilleur joueur de la première ligue. Ah ouais, non, mais je veux dire, Mahrez, c'est ce calibre de joueur-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, Riyad Mahrez, aujourd'hui. Super joueur. Donc, aujourd'hui, quand t'as un joueur comme Riyad Mahrez, comme ça, tu vois, en toute honnêteté. Et ça se voit que Pep l'a. Mec, l'année passée, il a presque pas joué. Cette année, il a fait une superbe Coupe d'Afrique. Le mec, il est dans une vibe de malade. Il joue, il est titulaire, il est chaud. Sterling, c'est un joueur extraordinaire. De Bruyne, j'en parle pas. David Silva, sa dernière saison, sûrement ou peut-être. Et le mec, il est au top de sa forme. Bernardo Silva, les gens ont même oublié le boy. Ces temps-ci même, il banquette. Tellement Pep a des options dans cette équipe-là. Agüero, il claque but sur but. Jesus, qui va encore banqueter toute la saison. Et Jesus, mec, je te dis. Ouais, mais c'est que le truc avec City, je vous dis que c'est dangereux, mec. Parce que City, ça peut être ça pendant 10. Si Pep, on doit espérer que Pep quitte l'Angleterre. Vite, 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 vite. Sinon, je te dis, c'est une dynastie. Parce que vraiment, les joueurs, ils sont en train de progresser. Bernardo, il va juste, he's just gonna keep getting better. Il va juste progresser. Jesus va progresser. Laporte va progresser. Tous ces joueurs, normalement, ils ont une marge de progression quand même qui existe toujours. Et ça fait peur, man. Ça fait peur si Pierre Presse, parce que City, ils sont comme Mourinho, je crois. J'avais entendu Mourinho il y a une semaine, quelque chose. Il disait que leur deuxième équipe, ils peuvent facilement finir. Non, ils tapent tout le monde. Et ils vont le faire. Et aussi en Angleterre, j'ai l'impression que les équipes sont intimidées. Ah City. Mais les gars, ils ont peur, c'est normal. Mais quand tu joues avec City, ils ont la possession de balle, ils ont tout, ils ont le contrôle du match total. Comme, écoute, mais en Europe, genre, je te dis, un Ajax peut leur taper comme Lyon les a tapés. Mais ça, c'est en Ligue des Champions. Ça, c'est en Ligue des Champions. Ouais, en Europe, mais en première ligue, ah, sincèrement, mis à part Liverpool, je vois pas qui va arrêter City. Mais seulement, je l'ai attaqué, mais franchement, je me suis trompé. Non, ben, non, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Franchement, le boy. Non, les nouveaux Anglais, les nouveaux Anglais. Abraham, j'ai dit. Mais attends. Non, arrête, calme. Pose 3 Lyon. On va parler de l'équipe nationale d'Angleterre, vite fait, c'était pas prévu. Mon boy, viens, on recommence. Je t'ai dit, l'Angleterre, là, ils sont trop chauds. Déjà, ils ont un super gardien, c'est Pickford. Mec, je t'ai dit, Kyle Walker, on l'a pas appelé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Trent Alexander-Arnold, tu as Van Bissaka, tu as Chilwell. Ils ont trop de joueurs, je t'ai dit. Ils ont des joueurs. Je t'ai dit, ils ont trop de latéraux et trop de joueurs. Ils ont plein de joueurs qui sont des Ruben Loftus-Cheek, des joueurs comme ça qui sont pas encore. Les boys là, quand ils vont revenir là, quand ils vont. Non, j'ai dit, les Anglais là, en fait, ils sont partis pour gagner la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont dangereux. En tout cas, ils ont une belle équipe. Et ils ont un entraîneur qui est intéressant. Ils ont un entraîneur qui prend des petits risques. Il est intéressant. Je trouve qu'il est intelligent parce que je le vois chaque week-end dans un stade de première ligue et tu sens qu'il apprend, il regarde les différents trucs et il essaie de se mouler à ce que les boys font déjà en championnat et ça rend les choses. Et je crois qu'il est vraiment il est genre Gary Southgate. Ouais, je crois qu'il prend beaucoup de choses de Klopp, entre Klopp, Pochettino et Guardiola. Je crois qu'il apprend beaucoup d'eux et mec, il essaie de gérer les joueurs de même manière que je crois ses entraîneurs. Si tu fais les trois ensemble, tu le mélanges, franchement, c'est une bonne chose. Ouais, sincèrement, c'est pas Southgate qui va sortir après les trois mélanges. Franchement, si tu mets les trois là avec Southgate, il vient, il nous fait un doublé Euro Coupe du Monde. Ah, même moi, je serais choqué. Même l'autre, Lampard, il n'a pas beaucoup d'options parce que Lampard, il a Batshuayi en pointe. Bon, Michy Batshuayi, on le connaît. Bon, c'est Batshuayi. Il est sympa sur les réseaux, mais sur le terrain, c'est différent. Pourquoi vous hatez? Non, c'est Batshuayi, mec, c'est Batsman. That's my guy, bro. That's my guy. Batman, that's my guy. Bichy. Yo, si tu vois ça, Batman, t'as hâle. Nah, fuck with you. I like non, Bichy. Il est pas sérieux, j'ai dit Bichy. Ouais. Olivier Giroud, bon, il a fait une grosse saison l'année passée, mais est-ce qu'il n'a pas tout donné aussi? On va voir ce que ça va va rester. Surtout en Europa League, il était énorme. D'ailleurs, il s'est fait voler pour le titre parce que Hazard a joué deux matchs. Ça se voit que les gars, ils regardent pas les matchs, en fait. J'ai l'impression, ils cherchent. Hazard a joué 2-3 matchs en Europa League, mec, j'ai joué les 12 matchs, je sais pas quoi. Même Pedro a fait une belle Europa League. Je te dis, Callum Hudson-Odoi et l'autre là, le boy là, comment il s'appelle, Loftus-Cheek, était plus chaud que. Non, franchement, ils nous ont pas respecté. Bref, je disais donc que cette équipe là de Chelsea en tant que telle, ils n'ont pas beaucoup d'options en tant comment il s'appelle, Captain America, Pulisic. On nous a fatigué à gauche et à droite, Captain America, bon, faut qu'il prenne son rythme. Mais laissez-le, je sais. Moi, je suis pas en train de dire que Pulisic c'est pas un bon joueur, au contraire, c'est un très très bon joueur de foot, tu vois. Mais il y a du rythme à aller chercher. Maintenant, le problème, c'est que les supporters, ils sont impatients. Non, je crois pas. Ah. Moi, je suis supporter Chelsea. Non, je crois pas. Tu acceptes, donc vous, c'est bon. Non, cette saison, on accepte. Cette saison, nous, moi, je t'ai dit, les supporters Chelsea. Je parle pas pour, of course, I'm not talking for everyone. Mais moi, je crois que quand même, il y a un bon 70-30%. Que vraiment nous, on préfère qu'on finisse 6e, on garde Lampard. L'année prochaine, on fait un bête de mercato. On voit quels joueurs vendre là. On laisse les joueurs progresser. S'ils sont bien, ils sont là. S'ils sont pas bien, ils sont pas là. C'est en fin de cycle. Les Aspicueta, El Kid, David Luiz,
Merci. Merci. Mon David Luiz, merci. David Luiz, je l'ai vu venir comme Danny Welbeck. Merci. Je me suis dit, on nous a encore couillonné. Zuma, je sais que ça fait mal de le voir souffrir les premières semaines. Espérons que ça va revenir. Tomori, quand même, là, c'est... on a des joueurs. Hein? On a des... Emerson qui vient, qui a remplacé Marcos. Titulaire en équipe nationale d'Italie cette semaine. Très en bon joueur. Tu vois. Très donc, bon Emerson joueur. Palmieri. Non, c'est vrai que Chelsea, bon, écoute, donc, ouais. Les options, elles sont là. Maintenant, on va voir sur la durée de la saison. Pour le moment, bon, Chelsea, vous êtes quoi, 10e, 9e ou je sais pas quoi de truc. Ouais, ouais. Quand même assez loin. La première ligue. En tout cas, pour moi, on est dans une position plus sûre que United. Même si on finit, même si United finit devant nous l'année prochaine. Non, c'est pas des balles. Moi, tu sais, ce qui me fait rire, c'est que United, j'ai vécu. J'ai un trauma, j'ai un PTSD en fait de United quoi. Genre les Fergie Time, ça m'a traumatisé toute ma adolescence. Donc j'aime pas United. Mais en même temps. Il a dit il a un syndrome post-traumatique. Non, c'est que en même temps, United, je le respecte, je respecte leur histoire et tout. Et je crois que. Je sais pas s'ils sont conscients du fait qu'ils sont vraiment dans une position très très dangereuse. Ils sont dans la merde. Ils sont vraiment dans la merde. United, aujourd'hui, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le seul mec qui a réussi à faire quelque chose avec cette équipe-là, c'est le mec qu'on a le plus insulté, c'est José Mourinho. Mourinho, d'ailleurs, Mourinho, tu reviens quand. José, tu me manques. José, elle me suit. Je l'aime bien sur. Quoi, Sky Sports, à la télé. Non, moi, je le préfère sur le banc. Moi, je préfère en conférence de presse. Quand tu le piques et qu'il vienne en conférence et il se fâche sur Mourinho. Non, mais Mourinho, il est trop. Non, je préfère sur télé. Parce que conférence, il est trop defensive. Mourinho, ça fait 2 ans. Donc, Mourinho, il ne sourit pas. Il se fâche. Mourinho, quand il arrive sur un banc, il est en costume et tout. Remarquez bien, il est en costume, rasé et tout. Après 3 mois, 4 mois, dès que c'est la galère, il y a la barbe blanche qui ressort. Tu vois, le gars, courageux, mais en jogging tous les jours, je te dis, Mourinho c'est un phénomène. Ouais. Mais quand tu regardes, mec, franchement, je dis, Mourinho c'est le seul mec à avoir fait quelque chose avec Manchester United. Ouais. Mis à part ça, depuis le départ de Ferguson, c'est la galère. Et franchement, on va très sérieusement cette année. Je me dis, c'est bien, il y a des bonnes individualités. Le petit James là, il est bon. Oui, mais après, ça sert à quoi d'avoir Maguire si tu prends des buts de Vestergaard de la dernière fois face à ça. Ça me donne quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est ça mon problème. Moi, c'est que Pogba, il est là, mais j'ai pas l'impression qu'il est 100% motivé parce que le boy, tu sens qu'il avait envie de partir. Le truc qui fait peur, c'est que. Mais c'est année d'euro. United, pour moi, le preuve. Tous les mercatons dont on parlait, toutes les équipes qu'on dit qu'ils sont en train de progresser et tout, ça revient vraiment à l'entraîneur, tu vois. Ça revient au fait qu'il y a une philosophie, il y a des joueurs qui croient dans l'entraîneur, il y a un board et tout qui croit dans l'entraîneur. En fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi, dans le club. Il y a une lignée, quoi. À Liverpool, ça se voit que. Le président, Klopp, tout ça, ils ont une vision, ils sont calés dessus. Ils ont acheté les joueurs that fit this philosophy. United, ils ont commencé avec ce mercato. C'est des joueurs locaux, des joueurs anglais, des joueurs jeunes. Mais ils n'ont pas une meilleure équipe, ils n'ont pas un meilleur effectif que Everton. Ils n'ont pas une meilleure équipe que genre, Wolverhampton avec les Jiménez, les Coutronnés, tout ça. Bref, il y a plein d'équipes, c'est sûr et certain, qui sont le papier. Rivalisent sans problème avec la équipe. Surtout que leur gardien, il est devenu un gardien lambda. Franchement, De Gea, je suis désolé, il est devenu un gardien lambda. Mais tu vois, donc en fait, il y a lui, tellement de victimes de la vie, quoi. Lui, c'est vraiment. Bon. Mais là, il est en train de bouffer son salaire et lui, il a signé un nouveau contrat. Oui, le gardien le mieux payé de l'histoire, un truc comme ça. Un mec, il veut même plus jouer au foot, lui. De Gea, il est pas sérieux. La dernière fois, Kepa est numéro 1 en Espagne. De Gea est sur le banc. C'est pour vous dire à quel point en fait De Gea il a sombré depuis là. C'est pourquoi c'est ça que je dis la différence entre Chelsea. You know, on est dans un Kepa, he's gonna get that. Kepa va s'adapter à la ligue, il va devenir, espérons, un petit, you know, Ederson, vraiment un gardien dont tu peux compter sur, quoi. Même Lennon, c'est la même chose. J'aime beaucoup Lennon aussi. J'aime bien Lennon. Mais United, ils sont dans un spot vraiment dangereux. Je crois que s'ils font pas si honnêtement, Solskjaer, pour moi, doit quitter vite. Les gars, ils doivent le virer et c'est dans le sens où j'aime beaucoup le gars, mais il peut pas gérer. On est on the wheels. Non, on can't handle this pressure. On can't. On doesn't even have the coaching. Like he doesn't have the experience to be able to gérer ces genres de pression. Il peut pas, man. Il peut pas. Et on verra. Hein? On verra. Je crois qu'United, ils sont dans un spot vraiment dangereux pour les années prochaines parce que Everton et tout, ils vont continuer à progresser, ils vont continuer à s'investir et ils. Rashford n'est pas mieux que Moeskin. Moeskin can get better. Je suis désolé, c'est des petits trucs. Luke Shaw is not better than Lukaku. J'avoue qu'il a pas tort en fait. Non, c'est que c'est vrai. En fait, c'est triste quand tu parles de United. On dirait que
Non, il s'est assombri en fait. Oui, c'est vraiment triste. Manchester, glory, glory, glory. Eh ben ouais, c'est quand même, bah, c'est comme ça hein, les cycles. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est Nicolas Pépé, moi j'étais en Égypte, je l'ai vu. Franchement, le boy, il sait jouer au foot. J'étais content de le voir en live. Maintenant, il est dans mon club, il est à Arsenal. En toute honnêteté, je me dis, Pépé, gère-toi. Pépé, gère-toi, franchement. Pépé, en fait, Pépé, on sait que tu sais dribbler. Van Dijk, tu l'as pris en 1 contre 1, tu l'as laissé sur place, sans aucun problème. Première minute. Maintenant, je me dis. Il a fait à Robertson là. Mais Robertson, il a fait. Il est trop fort lui en fait, il est trop fort, il a une capacité de se retourner sur lui avec le ballon, c'est juste extraordinaire. J'aime aujourd'hui, tu as un joueur comme Nicolas Pépé à Arsenal, je pense qu'Arsenal peut cette saison prétendre retourner en Ligue des Champions déjà à la base. Bon, ça j'espère. T'en penses quoi de Ceballos? Ouh, il est trop fort. Okay. Ouh, Ceballos. Ça, c'est le problème de Zidane. Encore une fois, quand on parle de Zizou ici, voilà le problème de Zidane. Je dis Zidane doit se gérer, Zidane fait des efforts. Zidane, s'il te plaît, Zidane, mais rediscipline-toi. Mais Zizou, c'est pas possible. Zélie Ceballos, oh, lui en fait, je dis ce petit-là, le milieu de terrain d'Arsenal cette saison, ça va être Guendouzi, Torreira, Ceballos, c'est tout. C'est un bête de milieu de terrain, on gère ça en première ligue, ça se fait bien. Tu peux gagner pas mal de matchs. J'espère. C'est juste latéral droite que je trouve un peu. Latéral droit, il y a Hector Bellerin qui va revenir, il y a Nathan Niles. Il y a Tierney. Il y a Tierney. Les gars ne connaissent pas, j'ai dit, nous, chacun a son Robertson. Ils ont Robertson, on a notre Robertson. Le petit Scottish là, il est trop fort. Moi, je l'ai vu, il a une bête de frappe. Beau but là-bas au Celtic. Il jouait dans une grande équipe, dans un grand stade et dans un pays chaud. Il me rappelle de Luke Shaw quand il était à Southampton. Genre, vraiment, il vire pour le temps. Stafford là, Stafford. Non, mais après, je sais pas. Non, mais il est plus sérieux. Oh, s'il vous plaît. C'est un pote. Shaw, j'étais dit. Faux joueur comme ça. Shaw, j'étais dit, j'ai un pote à Londres, il m'a dit, il a croisé en boîte, il pouvait pas marcher. C'est pas de joueur sérieux ça, mais Tierney, il a l'air sérieux. Je suis mort. Ouais, écoute, on a beaucoup parlé et tout. Avant de finir, j'ai envie de parler d'une chose quand même. Franchement, tu vois, Idrissa Gueye, il est au Paris Saint-Germain. Le mec, il est chaud, il est lourd. A lot of gang. Non, tu me dis quoi sur ça en fait, franchement? Tu me dis quoi sur mon boy Ghana? Parce que Ghana, il faut avant Ghana, je suis fan. Ghana, je sais pas si un jour tu vas voir ça et tout, mais bon, les gars, faut pas me gérer un rendez-vous avec Ghana, boy. Une journée à Paris, tu vois. Et Ghana, c'est que le truc, c'est que qui me faisait un peu peur pour Paris, c'est que le fait que Paris, tu vois, c'est une équipe de possession de balle. Donc je me disais que Ghana. J'espère qu'il va pas se perdre dans ça, quoi. Genre, est-ce qu'il peut servir à quelque chose? Parce qu'il va pas gratter de ballon autant qu'il fait ça à Everton ou avec l'équipe nationale et tout. Mais Ghana, il évolue, quoi. C'est un très bon joueur. Il a évolué. Le fait d'avoir joué avec. Parce que franchement, qu'on le veuille ou non, Aliou Cissé, franchement, je lève mon chapeau. Je crois que parce qu'Aliou Cissé, il l'a fait jouer de manière très offensive à la cave. Je crois que le rôle, il a changé. Ghana. Mais durant les deux dernières années en équipe nationale, il a pris tellement plus de. De confiance, de trucs, il marque des buts. Ouais. Donc au PSG, il va vraiment être dans cette position là, Thiago Motta, tu vois, où. Encore plus offensif. Non, mais ce que je veux dire, je veux dire, dans la distribution du ballon, il va être un peu comme Thiago Motta, mais il va faire ce que Thiago Motta n'arrivait pas forcément à faire, surtout dans ces dernières années. Mm-hmm. Bah, c'est la capacité à pouvoir courir et colmater quand ça a des matchs compliqués, tu vois. Mm-hmm. Franchement, Ghana Gueye, top signature de la part de Leonardo. Super, tout en étoté. Tuchel, sorry, c'est Tuchel. Ouais, Tuchel. Ouais, c'est Tuchel parce que c'est vraiment Tuchel qui a insisté. Il paraît que c'est son boy, hein. Il paraît que c'est le chouchou du vestiaire. Comme ça, je dis, ah, Ghana Tuchel, connexion sénégalo-allemande. Ah ouais, c'est bon. Les Allemands, ils nous aiment bien ou quoi? Je sais pas, on s'entend bien les Allemands, vous avez jamais compris. Franchement, on s'entend bien. Jusqu'au jour où on va tomber en Coupe du Monde face à eux, ils vont nous taper ça. Je sais pas, j'ai. Bon, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo, prochain travail international. Inch'Allah, on sera là, on sera posé. Merci beaucoup à mon gars Jibi, franchement, il a été trop sympa. On est là, on a parlé foot en vrac comme ça, voilà. Tu vois, nous, c'est ça, mentalité outsider, on se pose et on discute. Ah, c'est tout. En plus, il y a tellement, on a même pas touché. Mec, je te dis, il y a plein de choses, on va revenir, on va parler de plein de choses. Non, mais tout ça, on va reparler de tout ça, tu vois. Mais Inch'Allah, on sera là. Donc la famille, continuez à liker, continuez à partager, activez la cloche et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.